Le décor de la salle d'audience du Parlement de Dombes a été réalisé par Pierre-Paul Sevin, peintre renommé pour ses grands décors de fête pour Louis XIV. Claude Cachet de Garnerans, intendant de la souveraineté de Dombes, fait appel à ses talents en 1698. Le thème sera la justice, la guerre et la paix. Le décor peint va rappeler aux magistrats du Parlement leur devoir, être à la fois juge et gardien de la paix publique. Le Parlement est une cour de justice qui juge en dernier ressort, vérifie, enregistre et publie les lois pour le territoire de Dombes. La justice divine est un thème prépondérant. À cette époque, il n'y a pas de frontière entre vie civile et religion. Le roi reçoit de Dieu le pouvoir de juger, symbolisé par la main de justice. En Dombes, le prince souverain est également juge suprême. Pour rappeler l'origine divine de la loi, les parlementaires officient sous un Christ en croix, remplacé aujourd'hui par le portrait du duc du Maine. Peint par Pierre-Paul Sevin, il se trouve désormais dans l'église de Trévoux. En haut des murs, quatre épisodes témoignent d'une inspiration biblique. Moïse frappant le rocher, le buisson ardent, Dieu remettant les tables de la loi à Moïse et Moïse remettant les tables de la loi aux Hébreux. D'autres sources illustrent le thème de la justice divine. Un cartouche la présente sous les traits d'une femme. Elle tient la balance, signe d'équilibre et de mesure, et le faisceau de licteur, symbole du pouvoir de punir et de contraindre. Elle domine un homme en tenue de magistrat romain, image de la supériorité de la justice divine sur celle des hommes. La justice engendre paix et prospérité et permet le développement des arts. Ils apparaissent sous la forme d'instruments de musique, de fleurs, de couronnes ou de cornes d'abondance. La justice et la paix sont donc des thèmes essentiels. Pourtant, la guerre apparaît aussi dans le décor. Justice, guerre et paix sont en fait indissociables. Garantir la paix implique l'usage de la force, tempéré par la justice pour ne pas être tyrannique. Symbole de paix et de prospérité, ces colombes et leurs œufs sont protégés sous un casque militaire. Armes et trophées sont aussi un hommage au duc du Maine. Fils légitimé de Louis XIV, il était grand maître de l'artillerie de France. Il reçut en donation la souveraineté de Dombes des mains de la duchesse de Montpensier, cousine de Louis XIV. Ses armoiries rappellent qu'il est à l'origine du Parlement de Trévoux. La salle légèrement remaniée à la Révolution est classée monument historique dès 1920. Elle accueille aujourd'hui le tribunal d'instance de Trévoux.